Et salut à tous, c'est la chaîne Valet, on se retrouve aujourd'hui pour une énorme vidéo qui sera l'unboxing de mes cadeaux Harry Potter. C'est un énorme colis, normalement je devrais en avoir deux voire plus. Là j'en ai reçu un, donc je vais vous faire cet unboxing. J'espère vraiment que vous apprécierez. Et donc, c'est parti pour l'ouverture. Le colis est là. Donc pour cette vidéo, je vais un petit peu laisser le décor de côté pour pouvoir me concentrer sur le colis. Donc on va sortir tout d'abord le premier objet. Je tiens à vous dire qu'il y a trois objets Suicide Squad. Et après tous les autres, c'est des Harry Potter. Et au total, tous mes cadeaux Harry Potter, il y en a pour à peu près 18 euros, 18 cadeaux Harry Potter. Donc je vais le laisser sur le côté. Et je vais sortir le premier objet, qui est un objet Suicide Squad, comme ça on laisse Harry Potter pour la fin, qui est le CD de l'album Suicide Squad. Donc la bande originale du film. Donc moi j'ai vraiment adoré les musiques de ce film, donc j'ai décidé d'en acheter le CD. Donc comme vous pouvez voir derrière, il y a toutes les musiques. Voilà, il y en a à peu près 13 je pense, non 14 voilà. Et donc c'est un objet vraiment que j'adore parce que j'adore les musiques, comme je viens de vous le dire. On va passer maintenant au deuxième objet qui est, attention, la Funko Pop du Joker. Donc, je voulais absolument la voir parce qu'elle est vraiment belle. Donc, c'est Suicide Squad. C'est des toutes nouvelles qui sont sorties pour l'occasion de Suicide Squad. On peut voir toutes les Funko Pop de cette franchise. Et il y en a quand même pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y en a 15. Je vais vous sortir la Funko Pop tout de suite. Donc je tiens à vous dire que tous les objets que j'ai reçus n'étaient pas forcément dans un très bon état. Les boîtes et tout ça n'étaient pas très bien gardées. Donc voilà cette magnifique Funko Pop du Joker de Suicide Squad. Donc je la trouve vraiment magnifique avec les tatouages, le gant violet là. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous le conseille vraiment, même si les critiques sont vraiment mauvaises. Je vous conseille d'aller le voir. Maintenant on passe à une Funko Pop du coup qui va très bien avec le Joker, Harley Quinn. Donc vraiment Harley Quinn, une Funko Pop magnifique, je vais vous la présenter tout de suite. Donc Suicide Squad, la numéro 97, et celle du Joker, c'est la 96, Harley Quinn. Vraiment magnifique, je vous la sors de sa boîte tout de suite. Donc Harley Quinn qui est vraiment une Funko Pop très lourde, mais vraiment magnifique. Vous pouvez voir son petit grain de beauté, ses cheveux de la couleur bleue et rouge, avec son petit tatouage qui veut dire rot. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Par contre regardez, là il y a un petit défaut. Attendez, là voilà, ici. Voilà. Bon, ça c'est pas trop grave, même si ça gâche un petit peu la figurine. Mais bon, un petit truc comme ça, on va pas faire les gens qui ne supportent pas. Donc je vais vous la présenter plus en détail. Voilà, le corps donc qui est comme quand elle va à l'aventure avec tous ses amis, avec sa magnifique batte de baseball. Et il me semble, voilà, oui là, elle a un tatouage avec écrit Pupun, je pense, Pudding, qui veut dire poussin. Donc elle appelle le Joker poussin. Donc avec son petit socle, parce qu'elle ne tient pas très bien debout. On va passer maintenant au quatrième objet, et qui est cette fois Harry Potter. Donc je vais vous présenter la dernière Funko Pop de ce colis. Au total j'en ai commandé 8, donc je me suis vraiment énervée sur les Funko Pop cette fois, parce que j'en ai vraiment pris masse. Donc ce que j'ai oublié de vous présenter dans le colis, le plus important, c'est ça. On va pas se le cacher, c'est notre vie à tous, ça. Donc, hop là. Waouh. Donc, on passe maintenant à la dernière Funko Pop de ce colis. Et le premier objet Harry Potter, Dobby. Et oui, qui est une Funko Pop. Je vous en avais parlé dans la présentation des nouvelles Funko Pop. Donc,
que j'allais prendre Dobby, ben, ma nièce, c'était sûr et certain. Elle est vraiment magnifique, mais vraiment très belle. Par contre, je vais vous le dire, je suis déçue quand même. Donc, je suis assez déçue de cette Funko Pop, car comme vous ne pouvez pas le voir, elle est hyper légère, mais vraiment très légère. Et surtout, la matière, elle est en plastique, je sais pas trop quoi, transparent un peu. Hop, donc j'ai mis la lumière là, devant vous. Donc ça va peut-être faire contre-jour, mais bon, pour bien éclairer les objets, j'étais obligée. Donc je vais vous montrer ce que ça fait sinon sans lumière. Voilà, donc je peux pas trop vous présenter les objets comme ça. Hop, c'est reparti. Donc elle est vraiment magnifique avec sa petite chaussette, même si, bon, elle est en plastique, quand on passe devant, la couleur change un peu parce que c'est vraiment presque transparent. Elle est vraiment petite, ça c'est vraiment dommage, mais bon. Tant pis, on va faire avec, mais elle est quand même magnifique. Tadam, le livre de coloriage Harry Potter. Donc, il y en a 4, il me semble. Mais bon, au début, j'en avais commandé 3 ou 4, je sais plus. Mais après, j'ai supprimé pour pouvoir prendre autre chose que des livres de coloriage que je vais bien sûr pas compléter. Donc, c'est Magical Artifact. En français, on dit artefact normalement. Coloring Book. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de dessins à l'intérieur. Regardez, je vous passe vite fait les dessins. Hop, je vais en prendre un au pif, attention. Hop, qui est dans le dernier. Neville avec l'épée de Godric Gryffondor. Et donc, c'est des dessins de coloriage, vous avez dû en entendre parler beaucoup. Donc, qui est vraiment un bel objet à avoir dans sa collection. Mais bon, je ne vais sûrement pas les colorier. On va passer maintenant encore à un autre objet Harry Potter, qui est le livre des recettes Harry Potter. Donc, qu'est-ce que c'est le livre des recettes Harry Potter? Et bien, c'est un livre qui regroupe comme je viens de vous le dire, les recettes d'Harry Potter. Mais bon, en fait, c'est des recettes que nous, on a, par exemple, chez nous. Et ils revisitent à la Harry Potter, donc je sais pas, ils rajoutent un décor Harry Potter, voilà, des choses comme ça. Ils nous apprennent à faire la bière au beurre. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous aimez faire la cuisine. Moi, vraiment, j'adore faire la cuisine, surtout les pâtisseries. Voilà. Donc, ce magnifique livre à avoir aussi dans sa collection, je ne l'avais pas. Et maintenant, du coup, je l'ai. Donc, vous aviez pu le remarquer, ça faisait très longtemps que j'avais rien présenté comme objet à part la boîte d'artefacts. Mais bon, j'avais vraiment rien de nouveau en Harry Potter. Et là, j'ai décidé de faire une énorme commande, et ce qui me fait vraiment très plaisir. Et alors là, le livre que nous attendions tous. Hop, il n'y a plus rien dans le colis. Il est fini, on va pouvoir le balancer. Harry Potter and the Cursed Child. Il est vraiment magnifique. Du Caroline, John Tefani et Jack Thorne. Donc c'est vraiment le livre qu'on attendait tous. Je vais pas vous le cacher. Moi qui étais très pessimiste sur la sortie d'Harry Potter et l'Enfant Maudit. Je le suis toujours, mais bon, on va pas se le cacher, on est vraiment hyper pressé de l'avoir entre nos mains en français. Donc je l'ai aussi acheté en français parce que comme ça je l'ai dans toutes les langues. Et vous allez pouvoir voir que l'objet juste après, qui est le dernier, est en fait cet objet. Vous allez voir ce que ça donne. Donc vraiment le livre sur la couverture avec le logo de l'Enfant Maudit, qui est vraiment, mais alors là, magnifique. Et je le tiens à l'envers. Harry Potter and the Cursed Child. C'est vraiment un livre magnifique que je vais peut-être essayer de décrypter avant la sortie d'Harry Potter et l'Enfant Maudit, donc en français. Et maintenant, on va passer au dernier objet que je viens de vous dire. C'est en fait cet objet, vous l'avez compris, je pense. Donc, le coffret des 7 livres Harry Potter en anglais.
Donc, de la version la plus belle qui soit, je trouve. C'est vraiment la plus belle édition, voilà. Français et anglais confondus. Attendez, le micro s'est barré. Donc, c'est vraiment la plus belle édition qui soit. Je vais tout de suite vous les sortir. Donc là, on a l'emballage sans les livres. Maintenant, je vais vous présenter les livres un à un. On commence tout de suite avec Harry Potter à l'école des sorciers, donc Harry Potter and the Philosopher's Stone. Donc, ces livres, ça faisait très longtemps que je les avais en vue. Ils sont vraiment mais magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les couvertures sont vraiment... Oh là là! Maintenant, on passe au tome 2, qui est Harry Potter and the Chamber of Secrets. Avec Harry Potter qui chasse le basilic et Fumesec qui vient le secourir. Derrière, on voit Dobby avec un long nez et de grandes oreilles. Donc, vraiment, encore un livre d'une beauté extrême. On va passer au troisième livre qui est Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Donc avec le Patronus, voilà. Donc de serre d'Harry et Harry qui le lance, comme vous pouvez voir des trackers. Donc là, attendez, je vais essayer de régler la lumière. Voilà, vous allez peut-être mieux voir le livre. Voilà, hop là, regardez, je vous le donne le livre. Hop là. On va passer au numéro 4 qui est une des plus belles illustrations, si ce n'est la plus belle, je trouve, à mon goût. Harry Potter and the Goblet of Fire. Donc il est bleu ciel. Ah, je ne vous ai pas montré les tranches, mais à chaque fois il y a une petite image comme ça de la couleur du livre. Donc il est bleu ciel avec derrière le groupe des trois, donc Harry, Ron et Hermione. Et d'ailleurs, attendez, pour le prisonnier d'Azkaban, c'est le Magicobus. Hop. Il est vraiment magnifique, le dragon qui crache du feu sur Harry, sur son balai. Maintenant, Harry Potter and the Order of Phoenix. Hop. Illustration rouge avec un sombral et Harry dessus. Derrière, on voit Ron, il me semble, et peut-être Hermione aussi, sur des sombrales aussi. Hop, avec un coucher de soleil magnifique. Et derrière, on voit Rogue, qui est avec une petite bougie comme ça, avec de la fumée. Donc c'est vraiment un livre aussi très, très magnifique, on va dire ça comme ça. C'est vraiment très beau. Et maintenant, la deuxième plus belle illustration, je trouve, de ce coffret, qui est Harry Potter and the Half-Blood Prince. Voilà. Donc on y voit Dumbledore qui fait son sort... de feu, donc Incendio, ça doit être ça, avec des inferis et Harry là qui a peur, qui essaye de se défendre avec sa petite baguette. J'espère que vous allez bien voir parce que la caméra c'est pas tout à fait la même, vous pouvez voir sur l'angle de vue. Et derrière, on peut y voir l'homme principal de ce livre et de ce film, Draco Malfoy. Donc il est orange celui-là avec sur la tranche Dumbledore, donc de l'illustration. Est vraiment mais magnifique celle-là avec avec le cat and the goblet of fire, donc la coupe de feu, et alors le prince de sang mêlé, c'est vraiment les plus beaux. Et maintenant on va passer au dernier, Harry Potter and the Deathly Hallows, donc Harry Potter et les reliques de la mort. On peut y voir donc écrit toujours, c'est toujours pareil en doré là, Harry Potter, avec dans le haut, attendez, là par contre vous n'allez pas bien voir parce que j'ai pas le j'ai plus de place. Dans le haut, il y a un petit éclair. Voilà. Donc on y voit en fond, on y voit Narcissa Malfoy, d'ailleurs le personnage préféré d'Harry Potter tout simplement. Bonjour à toi. Et sûrement Lucius Malfoy là, et donc Lord Voldemort. Et dans une bulle là, Nagini. Et bien sûr, Harry, ça doit être le moment où il se livre. Donc c'est vraiment... que des illustrations de fou. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur mon bureau là, un petit peu, vous allez voir. Hop. Alors, vous pouvez voir mon setup.
Non, bien sûr, c'est une blague. Ah, oh là là, le micro qui vient de tomber. Harry Potter and the Cursed Child. Tous les livres. Donc, je tenais la caméra avec les dictionnaires d'anglais. Et donc là, les Funko Pop, les trois. Hop, du Joker, d'Harley Quinn et de Dobby. Et l'album Suicide Squad. Et là, tous les livres. Voilà. Hop. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On va bien remettre le micro, peut-être. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends, comme vous, la partie 2. Parce que j'ai toujours pas reçu la suite de mes colis. Je les attends, je les attends, je les attends. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la partie 2. C'était la chaîne Val. Allez, salut!